Coucou tout le monde. Bon, excusez-moi, j'ai un bonbon au pain dans la bouche. C'est pour la gorge. Donc, côté gauche, ah, j'ai fait les cheveux côté gauche aussi. Hein. Oh, mais là, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors, voilà. Là, on a nos mots à mettre. J'ai un petit secret pour les mots qui vont dépasser là de la feuille. Vous les maintenez comme ça. Vous ouvrez la page et vous tracez deux petits traits. Voilà. Enfin, les petits traits où ça dépasse. Et comme ça, vous savez jusqu'où mettre la colle. Bon, c'est léger, hein, on les voit à peine. Hein. Donc, voilà. Alors, hein, au boulot. Ouais, bah, j'ai moins mal. Alors, je crois que c'est bouché. Oui. C'était bouché. Comment je fais? Je la mets au milieu. Donc, il va falloir que je fasse de là. Bon, après, en marouflant, ça sera beaucoup plus facile. Parce qu'en marouflant, on enlève la colle en trop. Alors on s'applique. C'est quand même pour les fêtes. Et la mouche là, Oh non, hey. Bon là je vais faire une sorte d'étoile. Là, je suis désolée, vous n'allez pas voir, mais je suis obligée. Passer par là. Je sais même pas si ça a fonctionné, je pense pas. Oui, Kira, qu'est-ce qu'il y a, Kira? Oh là là, c'est la misère. Alors bon. J'ai pris de la colle à bois. Et voyez. Pour les choses fragiles, vous y allez délicatement. Voilà. On n'hésite pas à appuyer tant que la colle n'est pas sèche. En même temps, il faut aller voir de l'autre côté. Ça n'a pas débordé. Ça va être protégé. Voilà. Un. Ok, reste à placer le Noël.
Donc là, ouais, c'est plus pratique de prendre la main. Je vais en mettre au milieu et je vais faire les tours. Le tour. Je tire sur la colle quand il y a des parties fines. Et je la relâche quand il y a des parties épaisses. Voilà, là ça va me bloquer. C'est la première année où j'aurai des mots en français. Vous vous rendez compte? Alors là, j'appuie bien pour bien qu'il se colle. Mais voilà. Mon joyeux Noël est prêt. Bon, bah là, vous le voyez à l'envers. Ça rappelle ça. Vous voyez? J'avais pas remarqué, mais voilà. Ça fait un rappel. Vous pouvez aussi faire ça, hein. Mais ça protégerait. Ça va pas protéger ça. Voilà. Donc, au coin de la cheminée, on passe un joyeux Noël. Si, si, si. Bah oui. Alors, tout est prêt pour mardi. Les découpes sont faites. On n'oublie pas de se fabriquer de quoi maroufler. Prenez un gant de toilette, vous le coupez, vous cousez des petits rectangles. Ça vous en fait quatre déjà, c'est déjà pas mal. Pardon, ça c'est le bonbon au pain. Donc voilà. Pour moi, tout il est prêt pour. Je suis en train de regarder quelque chose. C'est pas les mêmes. C'est pour ça que j'ai eu du mal. Les étoiles sont pas au même endroit. Ça me paraît plus gros alors que non, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est sympa quand même. Les étoiles sont pas au même endroit, il y en a deux, là il y en a qu'une. Ah oui, on remarque les petits détails. Donc voilà. Ça fait combien de minutes? 9 minutes seulement pour faire ça. Va prendre le temps d'essuyer correctement. Ça brille un peu plus.
Je peux pas faire mieux. Donc, je vous rappelle qu'il y aura le tuto sur Carinette Scrap. Oui, alors si vous voulez voir le tuto, mettez-vous sur le mon YouTube Stamping Up. Excusez-moi, j'ai mal prononcé. Vous aurez tous les éléments. Et ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Et ben là, vu qu'il n'y a que 10 minutes, je vais prendre le temps de... Excusez-moi, ça gratouille. De mesurer et noter au dos les éléments. Un critérium. C'est un peu plus loin, mais efficace. Alors, mes indications sont toujours en centimètres, hein. Ça, c'est fait. Ça, on connaît la dimension, hein. Je vous ai dit 10 de côté. Ça, on connaît la dimension. Donc, je vais passer aux autres décos. C'est bon, passer à ça. Ça c'est fait, mais il faut que je laisse à sa place. Ensuite, voilà, j'ai fini le. J'ai fini le bonbon et ça fait du bien à la gorge. Même temps, si j'arrive pas à mettre la règle. Oui, quand je Voilà. Et il reste celui-là. Voilà. Tout est noté au dos maintenant. Tout est prêt.
Et non, j'ai pas fait celui-là. Celui-là, pour moi, il a un sens. Donc voilà, tout est prêt pour mardi. Voilà, vous n'avez rien vu. Donc, c'est très bien. Vous voyez que quand je ne parle pas, c'est que je suis bien concentrée. Et soit ça c'est de la colle, soit c'est ma peau qui pèle. Et bah c'est ma peau qui pèle. Qu'est-ce que je me suis fait là? Une clope ou quoi? C'est un gros pelage là. C'est bizarre. Oui, je suis en train de m'épiler les doigts parce que j'ai les doigts qui pèlent. Seconde minute. À que 17 minutes. Oh là, et ça passe pas. Bah, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Mercredi, je vais aller chez Optical Center. Alors, je vais garder la même monture, s'ils veulent bien. Parce que j'aime bien. Et changer les verres. Garder les mêmes verres de loin. Mais de près, avoir quelque chose qui soit à pas 1,75 parce que c'est pas assez. Je leur ai expliqué que je fais des activités manuelles, c'est pas assez pour moi. Et qu'il me faut du 2. Parce que là, c'est bien gentil, mais voilà ce que ça donne quand je ne vois pas clair. Hein? C'est tout penché. Et s'ils veulent pas, eh ben je me servirai de mes loupes. Et puis je vais leur dire qu'ils ont perdu un client. Voilà. Ah bah ouais, je vais pas me gêner, hein. Non mais j'ai été caissière, c'est bon là. Pas. Voilà quoi, s'ils veulent pas faire les verres, bon, s'ils ont des montures plus sympas, prise en charge, je vais voir. Je vais leur dire, montrez-moi vos montures. Il y en a des plus comme ça, hein. Non, mais c'est la forme qui me va et c'est la forme que j'aime. Donc c'est pour ça que elles ont un petit peu le voilà puis les autres les loupes, celles que je préfère,
marquer la similitude. Donc là, elles sont sales. J'avais. Ah, elles sont là. Elles sont là, les lingettes. Va falloir que j'en rachète un de ces quatre parce que ça commence à manquer. Alors moi, je ne l'ouvre pas complètement. Je fais ça. Et en cercle. Pour bien nettoyer. Partout. Et je fais la même chose pour l'autre verre, mais en me décalant. Donc voilà, ça c'est fait. On peut la conserver un petit peu plus longtemps en la remettant dans le sachet, en la pliant et en fermant le sachet. Voilà, comme ça. Comme ça, pour demain, je peux m'en servir. Et donc, parce que ça donne avec ces loupes, c'est ça. Ah, c'est beaucoup plus classe, hein. Bon, je vois pas beaucoup, hein, mais je vois bien de près. Et c'est ce qu'il me faudrait parce que j'ai besoin que ça grossisse un peu plus. Oh, j'ai pas rebouché ma colle. Bon, c'est pas grave, j'ai de quoi la déboucher. Donc voilà. Et vous voyez que ça fait longtemps que j'ai les boutons pression aussi. Ah bah oui. Et là, c'est. Ah, c'est en tirant dessus. Voilà. Tout s'est cassé. Bah, c'est vieux, ça, ils sont sales. Alors, la toile s'appelle de la toile Aïda. Excusez-moi, je vais enlever les lunettes parce que sinon je vais avoir la tête qui va tourner. Alors, je vais, hop, les protéger, elles sont nettoyées maintenant. Donc, voilà. Il y a plusieurs dimensions de toile Aïda. Qu'est-ce qu'il est gonflé celui-là? Ah, je suis pressée d'être à mardi. Carrément pressé. Je sais pas ce que je me suis fait. Une grosse cloque. Sûrement que j'ai pas senti. Il s'appelle. J'arrive même pas à enlever la pelure. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous montrer? Bon, j'espère que vous avez bien pu voir que je vous ai pas trop caché
le truc avec ma main gauche. Dites-moi en commentaire. Hein. D'accord. Voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à plus.